Une course qui a démarré malgré tout ce rythme assez soutenu, avec quelques petits pièges le matin, on s'est fait avoir quelques fois. Un petit tout droit, petit tête à queue, mais bon, ça fait partie du rallye. On avait quand même un petit peu de concurrence, mais malheureusement dans la première spéciale, il y a eu des abandons, il y a eu des roues crevées, des moteurs cassés, donc on s'est retrouvé un peu vite seul. On a quand même malgré tout amusé un peu les spectateurs, j'ai fait plaisir à mon copilote, et on a passé une excellente journée malgré des petites erreurs, mais bon, ça arrive à tout le monde. On a très mal commencé avec une crevaison qui nous fait perdre beaucoup de temps. Bon, on a attaqué toute la journée pour essayer de récupérer, on a fait au mieux possible. J'ai eu une très belle journée de me battre avec mon ami Vincent Cornet et taquiner un peu les temps, grande glisse, travers pour les spectateurs. Génial, bonne journée. On te revoit où après ? Ce sera trois ponts, certain. J'ai déjà le copilote, l'engagement est fait. Après, on verra. Voilà. Une victoire, on était venu ici pour préparer la Spengo la semaine prochaine. Voilà, on n'était plus monté dans la voiture depuis le Condro, donc c'était très important pour nous de faire un maximum de kilomètres. Et c'était très bien, on a passé pas mal de réglages durant toute la journée. Et voilà, maintenant je pense qu'encore une séance de test avant la Spengo et on sera prêt. La suite du programme après pour toi ? Donc on fait 7 manches du championnat de Belgique et 3 WRC2 pour le moment. Ok. Alors course, je veux dire, jusque la course, je veux dire presque parfaite. C'est rare quand on se dit ça, mais bon, Jean-Fred était plus vite. Hein, voilà, à la régulière, il était plus vite. Et il y a juste que voilà, il a malheureusement crevé, et heureusement pour nous, mais bon, voilà, j'ai déjà beaucoup crevé dans ma vie réalistique aussi, donc à chacun son tour. Et voilà, donc deuxième, premier, il fallait rêver. Le premier, j'offrais un feu ici, donc voilà, je suis content de ne pas avoir gagné. C'était juste pas possible. Donc deuxième, voilà, pour un papy, un retour du papy, je trouve ça sympa. Première fois qu'on vient rouler ici, donc on a été invité par David Grindor qui est sponsor de ce rallye. Avec mon copilote, comme d'habitude, Chris Van der Kruis. Pas facile le parcours, très vite. C'est-à-dire à partir de la deuxième boucle où on se sentait un peu plus à l'aise. C'est-à-dire que dans la première on a perdu beaucoup, on n'avait pas d'intercom. Finalement, on a commencé à tourner les temps de Dominique et de Fred. Dommage pour Fred qu'il a crevé. Sinon, je suis très content de la course. On a la vitesse de pointe avec la voiture. C'est une groupe N, mais bon, on peut faire des temps comme il faut. Donc, très content. Hé,
Ben écoute, on a fait une excellente course en fait. On est parti très très vite dès le matin. Et puis faire la deuxième boucle dans la chaux, là, une corde qui était bonne le matin est devenue... Il y a un escalier qui s'est dressé là dans l'après-midi. Je pense qu'on est neuf ou une petite dizaine en tout cas à crever au même endroit. Donc ben voilà, ça a ruiné et tout. On change parce qu'il me reste 11 km à faire, donc je suis obligé de changer. Et puis tu redémarres, enfin voilà, sans compter qu'on arrive encore, malgré tout, à crever une deuxième fois. Donc voilà, mais... Le fait d'avoir pu taxer le petit prince dans son jardin ici, c'est-à-dire Dom Julien, ça nous a quand même fait vachement plaisir. Quand on crève, il est quand même, je pense, 30 ou 40 secondes derrière. Donc on lui en a mis et je pense que j'aimerais bien qu'il roule l'année prochaine parce qu'on lui en remettra encore. Ma course s'est très bien passée pour un retour. Donc, j'ai pu rouler depuis 9 ans en rallye. Donc je découvrais la voiture. C'était le but ici de un peu la régler. Bon, tout s'est bien passé à part deux petites fautes, deux petits tout droits ou 10 secondes ça, deux fois. C'est pas grave, ça, c'est le métier qui rentre comme on dit. Heureusement, j'ai crevé dans la longue là où j'ai perdu plus de 6 minutes. Donc là, finalement, on termine 5e. Sinon, on aurait pu être 2e. Voilà. Donc entièrement satisfait de la voiture et de moi. On te revoit après ? Oui, mais je voudrais bien être au départ de Spa dans un mois, Wallonie et Congo, ça c'est mon programme. Ouais, on venait pour terminer le rallye, et puis j'ai essayé de tenir Laurent pas trop loin de moi, et puis comme je sais bien que je remets un petit peu plus de gaz après, ben, c'était encore jouable. Et puis quand j'ai vu que je reprenais 10 secondes dans la deuxième boucle, je me suis dit que c'était tout à fait jouable. Donc j'ai gardé un petit peu le rythme, et puis alors à la dernière, ben, on a eu des problèmes de direction assistée, et on a fait avec, et on a fait la dernière spéciale sans direction assistée. Ben voilà, le départ a été un peu lent parce qu'il y avait déjà quelques années que je n'avais plus roulé et notamment en propulsion, ça va, mais en traction c'est beaucoup plus dur. Donc il m'a fallu une bonne boucle avant de trouver les automatismes avec cette voiture et puis après ben, ça a commencé à aller. On est remonté petit à petit les places et pour finalement terminer deuxième. Voilà, je remercie Daniel pour la fiabilité de sa voiture et j'espère arriver à un prochain rallye d'ici peu. On verra. Ben, c'était une course particulière. C'est les 17 ans de mon fils, 19 ans de mon fils aujourd'hui. Je voulais vraiment faire quelque chose de chouette. Et je suis super triste parce que l'auto a merdé dans la dernière spéciale. Au départ, elle tournait sur 3 cylindres et impossible. J'ai même téléphoné à mon mécano, Rav Galen, pour qu'il vienne. Il m'a dit que Ravi, essaye ça. Impossible de trouver, impossible que ça fonctionne. Je dis, est-ce que je peux casser le moteur? Il m'a dit, ben, non, normalement non, mais bon, c'est pas bon. Enfin, voilà. J'ai dit, écoute, il m'a dit, moi, je suis toi, je fais la course quand même. Et voilà, donc je pense qu'on a mis vraiment, vraiment des gros gaz aujourd'hui. J'ai passé une magnifique journée, j'ai passé une super course. Je pense que j'ai vu 2-3 personnes dans les talus courir à certains endroits. Donc je pense que c'était pas mal. Donc voilà, retenons le positif. Je suis 3 et 2 derrière pilote extraordinaire, donc c'est chouette. Merci à tous en tout cas, et merci à toi.
Ben voilà, après deux victoires ici sur quatre années, première fois classe en 6 ici à Clavier avec un nouveau copilote Michael Salvador, super bonne journée, bonne bagarre avec Julien Fossion qui était quand même plus vite que moi aujourd'hui et on a quand même pris du plaisir. Voilà, je crève dans la 7ème spéciale, je perds 1 minute 30. Sinon, ben, pas mal de spectacles et j'ai mis les grands gages, je pense, fait plaisir aux spectateurs et j'ai passé une bonne journée.